fausse route, j'en ai peur. Et je marche à petits pas. Je suis un danseur de Java. J'ai simplement essayé de faire le disque que j'avais envie d'entendre, que j'avais pas dans ma collecte. Fatalement, il est différent du premier album, parce que ça n'a aucun sens de refaire la même chose. Et on a d'autres envies. Donc là, il y a quelque chose de beaucoup plus orchestré, de plus large, de plus cinémascope. Sur ce deuxième album, j'avais envie d'espace, quoi. J'avais envie de silence, j'avais envie qu'on sente un souffle d'une certaine manière. Le premier album était plus minimal, quoi, c'est vrai. Il était. Je trouve qu'il représente bien finalement ce que j'ai fait pendant des années, quoi. Enfin, pendant quelques années. C'est-à-dire. C'était une période d'apprentissage où je travaillais avec un matériel très réduit dans une toute petite pièce. Et je trouve qu'il reproduit exactement cette émotion-là. Comment faut-il pour capturer le bonheur, accepter tes pleurs, comment faut-il faire pour retrouver ton rire et pour te dire, est-ce qu'une seule fois tu as. Le deuxième album a été enregistré en grande partie à Bruxelles avec Bertrand Burgala. Et pour les sessions de cordes et de cuivres, j'ai été à Londres sous la direction du chef d'orchestre David Whittaker, qui est en fait un vieux monsieur comme ça, très passionné. Et disons que petit à petit, ma musique a commencé à prendre chair et à ressembler d'une certaine manière de plus en plus à une sorte de bande-son d'un film imaginaire. Donc c'était génial. Je saurais te résister, te lisser vers le bout, l'inachevé. Balle en scène comme un ténor, au beau milieu de la reine, qui se soucie de ton sort, matador. Matador. En fait, tout avait commencé par un bouquin de Michel Léris qui s'appelle L'âge d'homme, où juste avant il y a un petit texte. Et il dit que, il faut prendre des risques. Justement, il fait un parallèle avec un torero qui se trouve face à deux cornes meurtrières. Moi, mon idée, c'est absolument pas d'être pour ou contre la tauromachie, ça m'intéresse strictement pas, quoi. C'est simplement poser comme ça des jalons sur quelque chose qui est un terrain glissant, parce que je me suis rendu compte aussi que c'est très passionnel et que ça entraîne des polémiques quand même assez vives. Donc c'est peut-être aussi une provocation. En plus, ça plaît un disque cannibale et en étant végétarien, je trouve ça parfait. J'ai appris à jouer, à défricher la terre, à vendre mes idées pour vous plaire. Ta-na-na. Mais si je dois encore retrouver l'innocence et savoir qu'en amour, il n'y a de souffrance. Pour les combats à mort que tu livres le soir dans ce monde végétal. Le titre d'un album, c'est une indication. C'est-à-dire que c'est un peu comme des panneaux routiers ou une carte Michelin. C'est-à-dire que t'es perdu à un moment donné, alors donc tu regardes la carte. Le fait de donner un titre, c'est un moyen de repère à l'auditeur et puis à la personne qui fait un disque. Quand on est perdu, on se dit oui, ça s'appelait Cannibal, quoi. Donc il n'y a rien d'anthropophagique là-dedans, évidemment. J'aurais pu appeler ce disque, je sais pas, le roman d'un tricheur, par exemple, ou règlement de compte à Hockey Choral. Mais enfin non, ça s'appelle Cannibal. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter les yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux.
parmi les gravats il souriait dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Une fois qu'un disque est terminé, est-ce qu'il est terminé de manière définitive ou est-ce qu'il y a un prolongement, est-ce qu'il y a une suite, et s'il y a une suite, quelle est-elle? Ça a commencé avec un trio acoustique, où là finalement on interprète les chansons comme elles naissent, de manière très simple, minimale. Après il y a eu l'étape de grand orchestre, où on était 12 musiciens sur scène, avec une section de cordes et de cuivres. Tout le monde est sur partition. Et donc évidemment, il y a un côté un peu rigide. Mais en même temps, on est assez fidèle au deuxième album. Et c'est un peu c'est un côté un peu performance, quoi. C'est une saison unique que je laisse derrière moi. Des tracés éternels qui mènent à l'ombre. De là, c'est une saison unique que je laisse derrière. La troisième formule, c'est on n'est plus que cinq, et là c'est un mélange d'acoustique et de samples, d'acoustique et d'électronique, où là il y a beaucoup moins de rigidité dans le sens où il n'y a aucune séquence. Il y a un côté plus physique, en fait, et d'une certaine manière, je crois, avec un peu plus d'intensité, quoi. J'aime à marcher seul dans les rues, à me perdre dans la foule, à me noyer dans la ville d'Istanbul. Seul, ton regard a suffi, parfum de fleurs. Senteur d'Asie à me redonner du courage. J'essaie de proposer les chansons de cette manière-là sur scène, c'est-à-dire en changeant à chaque fois de structure et en changeant les arrangements. Les réactualiser et finalement se dire voilà, cette chanson existe toujours et ce que je raconte me concerne toujours, mais peut-être plus exactement de la même manière. Donc voilà, je vais essayer de le proposer aux gens de manière peut-être plus directe, plus brutale ou plus détachée, ça dépend quoi. Je vous parlais d'un ami à moi, je connais bien, que je connais un peu trop bien d'ailleurs. À te blâte, oui. Et ce gars-là, il s'appelle Brian. Cette chanson, c'est pour lui. C'est un dialogue imaginaire entre deux personnes qui ont l'impression d'avoir, de détenir un petit peu des vérités. Mais je crois surtout que c'est... Enfin, la question qui accompagne un peu cette chanson, c'est... Est-ce que, finalement... est-ce qu'il y a un prix à payer à tout, quoi ? À composer des chansons faciles, où tout est basé sur le style. Passer à la postérité, sans remords et sans dualité. Prends modèle sur tes nombreux voisins, tous les grands artistes de demain. C'est quand même une chanson qui reste ouverte, quoi. Et de toute façon, bon, c'est une caricature, quoi. C'est un ensemble de clichés. Cette somme de clichés, finalement, débouche sur une sorte d'innocence, de candeur, quoi. Les femmes se donnent en prétendant aux traces où payent à l'argent. Zeste de clichés et de tout est joué. Adieu et bon vent, madame intégrité. On est un peu dans une période extrême, je trouve. Et chez certains, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de violence contenue. Et finalement, c'est un peu ça l'illustration de la pochette du 45 tours. C'est le côté un peu...
Ouais, radical, quoi. Mais il y a différents types de comportements. Enfin, on n'est pas obligé non plus d'aller fatalement vers quelque chose qui serait un comportement de serial killer, ou alors un comportement extrême d'un point de vue musical, c'est-à-dire suivre un courant principal. Je pense que c'est une réaction au monde qui nous entoure, quoi. C'est d'une certaine manière un engagement. Moi, j'ai choisi la musique, j'ai énormément de chance, c'est une passion pour moi. Donc j'ai la chance de pouvoir mener ça à bien. Mais moi, mon témoignage, c'est de faire un album, quoi, de faire des disques, de faire des chansons et de les proposer aux gens. L'album de Dominique Dalcan, intitulé Cannibal, et dont il va nous jouer un extrait dans les secondes qui viennent, a au moins un point commun avec Félix Potin, c'est qu'on y revient. Ici, le contenu est à la hauteur du contenant, vif, coloré, tranchant et j'ajouterais inspiré. Voilà de la musique pop comme on l'aime, des paroles avec des vrais morceaux de mots dedans, des mélodies qui vous attrapent par le bout de l'oreille pour ne plus vous lâcher, et des orchestrations dont la luxuriance et la délicatesse font se pâmer jusqu'au fan le plus radical de death metal. Il s'appelle Dominique Dalcan, et bien que je lui tourne le dos, je peux parier une chose, c'est qu'il a un bel avenir devant lui. Vérification immédiate. Comme un danseur de jazz, et je marche à petits pas, je suis un danseur de jazz. Il y avait un bouquin là, de Rilke, c'était « Lettre à un jeune poète », je crois, où il disait que finalement, pour arriver à l'état de créateur, etc., enfin bref, il fallait passer par une étape comme ça de profonde solitude. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, quoi. En fait, la réalité des choses, c'est que je fais des chansons tout seul dans mon coin, mais un petit peu par la force des choses. Moi, j'ai toujours rêvé de jouer dans un groupe, en fait. Il se trouve que j'ai jamais vraiment trouvé des gens, à ce moment-là, qui partageaient les mêmes envies. Donc ça s'est fait un petit peu naturellement. Au bout d'un moment, on se dit, oui, je vais pouvoir tout faire tout seul, etc. Mais c'est pas vrai, quoi. Enfin, c'est plus amusant quand on est une bande de joyeux d'œil. On est tous des mômes, d'une certaine manière, quoi. Donc voilà, peut-être le fait d'être à plusieurs renforce ce côté-là et dévoile un peu ce côté enfantin qu'on a tous en chacun de nous. Quoi. J'essaie de faire une musique variée, effectivement. Et maintenant, encore une fois, de la faire de la manière la plus sincère possible. Bon, si ça plaît à un grand nombre, tant mieux. Ce qui compte pour moi, c'est de faire des disques et d'en être finalement content, de pouvoir les assumer. Que ça corresponde bien, que ce soit une photo assez fidèle à ce que j'ai été au moment où j'ai fait les disques. Après, de savoir comment c'est reçu, bien sûr, c'est important, mais dans un premier temps, moi, je suis exigeant vis-à-vis de moi-même, quoi. Donc, de toute manière, il n'y a pas de recette. Et je propose, les gens disposent, donc... Rien que pour toi.